Bonsoir. Vous connaissez sans doute notre goût pour les custom shops un peu différentes, celles qui ne ressemblent pas strictement à une Olympic White de 63 ou à une Butterscotch de 52. Et bien là, difficile de faire plus différent que cette espèce de Rat Rod de 69. Alors, imaginons par exemple, elle est sortie en 69 toute propre de l'usine, si ça se trouve c'était même une belle Olympic White, et puis elle s'est retrouvée dans le Sunset Strip de LA à l'aube des années 80, un guitariste la trouve dans un paint shop, s'empresse de la repeindre en noir, change évidemment le micro aigu, met des grosses frettes et c'est parti pour un groupe de glam qui fera les beaux jours du Roxy de 1987 à 1993. Alors évidemment c'est une histoire purement fictionnelle, mais cette guitare ne l'est pas. Il s'agit donc d'une Custom Shop 69 avec la grosse tête et le logo immédiatement reconnaissable, les mécaniques chaleur en F aussi qui vont bien, avec un micro humbucker EVH au chevalet. De quoi envoyer donc sérieusement du gras. Pour envoyer le gras en question justement, un petit Bogner Panama derrière, c'est pas mal. Thank you.